Damn la Team Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Chef et c'est un plaisir de vous entraîner aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 5 exercices pour muscler ses cuisses et ses fessiers. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, on va utiliser une bande de résistance Team Chef. Pour la commander, le lien est dans la description. C'est parti. Allez, en position. Ok, allez, c'est parti. On prend sa bande de résistance, on va la mettre un peu au niveau des genoux. Voilà, au niveau des cuisses à ce niveau-là. C'est parti, on se penche un petit peu et là on vient hop, étirer et revenir. Toujours les genoux un petit peu fléchis. Voilà, et là on travaille les hanches. Il y a les hanches, les fessiers qui travaillent, c'est super important. Allez, on pense à bien souffler. Encore, super, les genoux vraiment vers l'extérieur. Allez, là ça commence à brûler comme il faut. Allez. On reste concentré. Super, encore, allez. Allez, on revient. Les genoux vraiment vers l'extérieur. On va au sol. Hop. On va travailler pareil que tout à l'heure. Les fessiers et les hanches. La bande, vous la laissez là. Donc c'est parti, vous allez lever vos fessiers et là vous allez ouvrir à ce niveau-là et revenir en position de départ. Hop, hop. Voilà. Et rien que d'avoir la bande de résistance, c'est tellement plus dur et plus efficace ces exercices. Allez encore. C'est très bien, allez. On tient bon. On pense à bien souffler. Allez. On reste concentré. C'est très bien. Allez. Parfait. On se redresse. On va se mettre debout. Ah. On va mettre la jambe, la bande au niveau de ses chevilles. Vous pouvez vous tenir à un mur. Et là, hop, c'est parti. On va venir faire des petits mouvements comme ceci, ça paraît pas grand chose, mais ça fait tellement mal. Allez. On change de côté. Allez. Encore. Allez. On tient bon. Ah, ça travaille un truc de malade. Essayez de ne pas forcer à mettre votre main, elle sert juste à maintenir. Encore. Allez. Parfait. Prochain exercice, on replace la bande au niveau de ses cuisses. Parfait. Là, on va passer en position squat. Voilà, comme d'habitude, on pousse les genoux vers l'extérieur. On descend bien, le dos est droit, le buste est en l'air. On descend bien et on remonte. Voilà, on essaie de pousser toujours les cuisses vers l'extérieur. Envoyez-moi des vidéos de vous, taguez-moi sur Instagram en story en train de faire ces exercices. En train de faire ces exercices, je vous repartagerai. Allez. Encore. Vraiment, travailler avec une bande de résistance, ça permet vraiment d'ajouter de la résistance, comme on dit, d'augmenter la difficulté à la maison sans pour autant avoir beaucoup de matériel. Ah. Allez, c'est parti, prochain exercice. Allez, on va faire celui-là, il est cool. On va faire du ice skater, je vous montre. Donc, vous allez mettre votre jambe droite devant et là, hop. Vous allez faire comme ceci. Hop. Voilà, vous allez vraiment descendre bas pour travailler vos fessiers. Super. Allez. Encore. Génial. Essayez de mettre la bande vraiment au niveau de vos genoux pour avoir le plus d'élasticité possible.
Encore. Ça a bien soufflé. Yes, bravo! À présent la Team Shape, pour commander vos bandes de résistance Team Shape, le lien est dans la description. Il y a 3 niveaux de difficulté, facile, moyen et difficile. Le but, vous aider à vous remuscler et à tonifier vos muscles à la maison. Pour les commander, le lien est dans la description. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, une nouvelle vidéo entraînement tous les jours. Et si vous avez encore de l'énergie, cliquez ici et faites une autre vidéo sport. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bam!